Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Infronet. Bienvenue aux abonnés et ceux et celles qui voient cette vidéo. Comment enregistrer une capture vidéo de l'écran de son PC avec VLC? Vous trouverez le lien de téléchargement du logiciel VLC dans la description et je vous invite à regarder les autres vidéos que j'ai réalisées. Pour enregistrer une capture vidéo de mon écran de PC, j'ouvre le logiciel VLC comme ceci. Ensuite, avec ma souris, je clique sur le menu qui est en haut à gauche et je clique sur Média. Puis je sélectionne Convertir enregistré. Et je clique sur l'onglet Périphérique de capture. Dans le menu déroulant, je sélectionne ici, dans le menu de Renault, je sélectionne Bureau. Comme ceci. Pour enregistrer et réaliser une capture d'écran de PC. Et à l'option Débit d'image pour la capture, j'entre 30. Et je change les paramètres. 30 correspond à 30 images par seconde. Vous pouvez mettre entrer une valeur de 20, mais la qualité est moins que 30. C'est une bonne qualité d'enregistrement du vidéo. Puis je clique sur Converteur enregistré. Dans cette nouvelle fenêtre, je peux changer le format de mon vidéo. Dans mon compteur YouTube, dans la liste déroulante, je sélectionne Vidéo for YouTube HD. Puis, maintenant, je vais choisir le dossier où je peux enregistrer ma vidéo. Parcourir. Ici, je clique sur VLC. Je donne un nom à mon fichier VLC1, par exemple. Et j'enregistre. Puis je clique sur avec ma souris sur démarrer. Maintenant, je suis en mode enregistrement de mon écran de PC. Pour arrêter l'enregistrement, après la fin de votre enregistrement, vous cliquez sur stop. Et un petit peu plus loin, je vais vous expliquer comment une bande sonore sur le premier enregistrement vidéo de mon capture. Pour assembler la vidéo avec ma bande sonore, je clique sur Pour assembler la vidéo que vous avez enregistrée précédemment avec la bande son, je clique sur Média, ensuite sur Convertir enregistré. Je supprime ça pour expliquer. Ensuite, je clique sur l'onglet Fichier ici. Ensuite, j'ajoute.
Maintenant, j'ajoute le premier fichier vidéo que j'ai enregistré. Comme ça. Ouvrir. J'ai sélectionné la vidéo que j'ai enregistrée précédemment. Celle-ci. Je coche afficher plus d'options. Afficher plus d'options. Et afficher plus d'options. Et ensuite, je coche jouer cette case-là. Jouer en synchronisant avec d'autres médias. Bon, je clique sur parcourir. Pareil, sur fichier, j'ajoute, ajouter, j'ajoute le son que j'ai enregistré pour ma vidéo. Comme ceci. Ouvrir. Je clique maintenant sur sélection et convertir enregistré. Bon, c'est toujours pareil. Sur la liste déroulante, je choisis toujours vidéo YouTube et pour le fichier, je donne un nom. C'est pas VLC 1, je donne VLC 2. Enregistrer. Et je clique sur démarrer pour terminer l'assemblage des deux du vidéo avec le son que j'ai enregistré. Je clique sur démarrer. Et ici, je vois le choix de compilation entre le fichier vidéo et son. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention. N'hésitez pas de donner votre avis. Et abonnez-vous à ma chaîne pour voir d'autres vidéos. Merci.